Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie. Seigneur, accueillons ton pardon. Donne-nous la force de vivre dans la nuit. Demande où est Dieu maintenant? Où est le Christ aujourd'hui? Tu nous as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour nos doutes et nos manques de foi en ta parole et en ta présence à chaque instant de nos vies, Seigneur, prends pitié de nous. Le confinement et ses conséquences ont fait ressentir d'autant plus la solitude et le dénuement de certains et les injustices et fragilités de notre monde. Pour nos aveuglements et nos renfermements sur nous-mêmes, ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous as confié la création pour que nous y vivions dans la paix et dans le respect de toutes tes créatures. Pour nos manques de partage et notre désir de domination et de possession, Seigneur, prends pitié de nous.